down, the clouds are gathering. Electricity show, got a ticket for me. Changing the weather, changing his mind, the finger to the wind. Ooh, throw the switch and let me in. Hey, black glow, don't you darken my door. I've seen every page of your book, ain't no picture of me. I know that you've come to lend a hand. You got a passport stamp for some holy land. But I can't say no rosary to someone who gave up on me. So just tell me now, what color is the sky? Starfish, sunflower. I tried to reach you before they shut off the power. In these final seconds of this very ordinary hour, well, I've been running scared about 10 years gone. One step up on the long, lean arm of the law. Crossing the line, no time left to pray. Let the water come, wash my name away. Well, I've been through the looking glass and down the rabbit hole. Ain't no such thing as an eye for an eye. You have watched it all. My candle going out. Don't it even make you doubt? We'll take them, but for the grace of God, go out. Starfish, sunflower. I tried to reach you before they shut off the power. In these final seconds of this. Une nouvelle victoire, la deuxième après le titre de l'année dernière. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous? Cette année, c'était un peu le même scénario que l'année dernière. C'est-à-dire que bon, je connaissais en gros les adversaires qui étaient avec moi. On a à peu près les mêmes conditions climatiques, très chaud, donc c'est vrai que c'est dur de faire un cross par cette température. Surtout cet hiver, on a enchaîné les cross à moins 15. Mais bon, c'est plutôt bien passé. Malgré, je pense que la fatigue, elle a touché tout le monde avec la chaleur. Et les places sont faites petit à petit, je pense, au fur et à mesure des kilomètres. Et en gros, la hiérarchie, je pense qu'elle a été respectée par rapport à la saison qu'on vient de faire en club. C'est important ce deuxième titre pour vous? Ouais, c'est important. C'est sûr que les pompiers, bah, c'est mon employeur.
il y a du monde qui est derrière moi, qui me soutient. Je vois que ça fait plaisir à tout un département. Donc ça me tenait à cœur de venir ici défendre mon titre. Et je suis vraiment très heureux d'avoir fait premier. Et je serai encore plus heureux si on a une médaille par équipe. Justement, aujourd'hui, il y avait le championnat de France des 10 km. Donc ça a été un petit regret de renoncer pour venir ici ou pas du tout? C'est pas un regret. C'est sûr que s'il y avait une semaine de décalage entre les deux, ça aurait été le top. Ça m'aurait permis de faire les deux. Mais j'ai pas hésité. J'ai tout de suite choisi de faire le cross-pompier. Donc vous êtes pompier depuis combien de temps et dans quelle caserne hein? Donc je suis pompier depuis mars 2010, donc là ça fait un peu plus de 2 ans et voilà mon deuxième titre et je suis à la caserne de Saint-Étienne-Sévrine. D'accord. C'était une vocation pour vous, pompier? Ben, c'est venu plutôt sur le tard. Au départ je m'étais plus orienté vers professeur de PS. Puis finalement je me suis rendu compte déjà que le concours était très dur à voir et que c'était pas forcément ce que j'attendais du métier. Du coup je me suis orienté vers pompier et... aucun regret là-dessus non plus, maintenant je suis très satisfait de mon travail et je m'épanouis pleinement là. Quand vous comparez un France FFA et un France pompier, qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, c'est sûr que c'est quand même pas le même niveau quoi, mais après il faut savoir que sur un France FFA, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont devant moi, qui sont pros quoi, et qui font ça à temps plein, qui sont en stage tout le temps, donc c'est dur de se confronter, mais c'est sûr qu'on peut pas comparer les deux niveaux. Ben, j'ai fait 19e au France il y a un mois et là aujourd'hui je fais premier avec 20 secondes d'avance. Donc, Et sur le parcours, sur l'ambiance, c'est sympa quand même à France ouais. Pompier. Par contre, c'est sûr qu'au niveau ambiance et organisation, il n'y a rien à envier à un France FFA. C'est tout à fait comparable quoi, en termes d'organisation et même en termes d'ambiance, j'ai envie de dire que c'est presque plus sympa quoi, parce qu'on a vraiment tout le département qui est derrière nous et ça fait du monde. Ouais. L'esprit de corps des pompiers, donc c'est pas une vue d'esprit, ça existe vraiment? Ouais, je pense que ça existe vraiment et il n'y a qu'à filmer aujourd'hui pour s'en rendre compte quoi. C'est rare d'avoir un cross avec autant de monde et autant de gens qui crient sur le bord du parcours. Qu'est-ce que vous allez préparer maintenant pour la saison estivale hein? Donc là, j'ai un peu des problèmes au tendon d'Achille, donc s'il soigne bien, je vais essayer de faire une saison sur 5000 et j'aimerais bien préparer un semi-marathon pour l'automne. Ouais. Donc voilà. Vous allez combien sur semi déjà? Pour l'instant, j'ai déjà fait 1h05, mais ça remonte à 2 ans, je pense. J'aimerais bien faire juste en dessous d'1h04 ou un petit 1h04, ça serait bien. Ok, ben merci beaucoup et encore félicitations. Merci à vous. Sans deuxième aujourd'hui, un petit peu de déception ou tout de même très content? Non, je suis très content parce que devant je sais que Thibonel était un poil au-dessus que moi cette année vu que moi j'ai fait 54e en France de cross FFA il y a 3 semaines et lui fait 18 je crois si je me souviens bien. Donc je savais qu'il y avait un petit cran, après moi j'ai géré la deuxième place. Même si dans tous les cas même si j'avais pas géré je serais pas allé le chercher. Parce que demain je cours au championnat de France de 10 km. Donc l'équipe a besoin de moi donc. Je joue de double jeu là, aujourd'hui et demain. Mais bon, j'étais cuit. La chaleur me tapait énormément. Et voilà, donc je suis très content de cette deuxième place. On gagne par équipe. Donc le Gard gagne les France pompiers par équipe. Très heureux. Bon, vous êtes pompier depuis longtemps? Ça fait, je rentre dans ma 5e année. Donc au centre de Bagnols-sur-Cèze. Oui. Voilà, donc. Vous êtes rentré donc à quel âge et quel grade hein? Je suis rentré donc à 19 ans, donc j'ai fait ma FI à 19 ans, l'année de mon bac, et je suis toujours sapeur. Voilà, je pense passer mon caporal l'année prochaine. D'accord. Donc le France pompier, vous le disputez chaque année? La première année en junior, je ne l'ai pas fait parce que j'étais sélectionné au championnat du monde avec l'équipe de France, donc en FFA. Ma première année, j'étais blessé, je fais 72, l'année dernière 5e. Aujourd'hui 2e, et Thibaut, attention l'année prochaine parce que je serai là. Voilà. Ok, ben alors bonne chance pour demain au France. Hein. Merci beaucoup. Ce soir, on va faire le trajet de nuit. Donc ça va être assez compliqué, mais rien n'était possible. On s'entraîne pour ça. Et voilà, à l'année prochaine. Bon, ok, super.